Christophe de Chavannes règle ses comptes avec Cyril Hanouna et répond aux accusations de son ex-fiancé. L'ancien animateur star de TF1 est dans la tourmente depuis plusieurs jours suite aux terribles révélations d'anciens collaborateurs et de son ex-compagne à son encontre. Le magazine L'Obs a publié une enquête dans laquelle de nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui le décrivent comme un tyran. Dans la foulée, une femme nommée Ness a pris la parole dans l'émission Face à Hanouna sur C8 pour révéler le cauchemar qu'elle vivait à ses côtés lorsqu'elle était en couple avec le présentateur télé. Elle assure avoir vécu un quotidien rempli de peur, de pression, de gestes violents et de tensions allant jusqu'à un harcèlement. Ce vendredi 1er mars, Christophe de Chavannes a pour la première fois répondu à toutes ces accusations en assurant qu'il n'y a aucune plainte à son encontre et qu'il est un homme bien. Il a ensuite confié avoir envoyé un message à Cyril Hanouna pour lui reprocher d'avoir invité son ex-compagne et l'avoir laissé l'accuser sans aucune contradiction sur le plateau. Concernant les accusations de Ness, il affirme que tout est faux, que ce n'est pas sa fiancée mais uniquement une relation qu'il a eue pendant 8 semaines. Mais depuis, cette dernière a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elle était bel et bien sa fiancée à l'époque. Bienvenue ma fiancée d'amour.